Salut à tous, bon en fait c'est tout con, on peut pas passer par là. Je me disais comment c'est possible, alors là j'ai cherché comme un taré, après je suis allé sur internet et j'ai compris qu'il fallait pas passer par là. Alors je sais plus où est-ce que j'étais allé, j'étais pas encore allé là, non. Merde, je me suis bourré encore. Voilà. Mergaïa, putain déjà quoi. On est jusqu'à quel niveau là? Je suis bientôt au niveau de la fin du jeu. Voilà. Kong. Voilà. Donc pour avoir tous les djinns, juste après je vais faire le marais de Taopo. Donc le. Oula. Ah quand même. Ah bah c'est la salle de tout à l'heure ça. Ouais donc. Voilà, vous voyez c'est très simple. Le marais de Taopo qui est un lieu totalement optionnel, hein, donc on n'est vraiment pas obligé de faire. Optionnel quoi. Et mais obligatoire si on veut tous les djinns, donc c'est pour avoir un djinn Vénus qui justement me manque, c'est pour ça que je préfère le faire maintenant. Ouais, ils ont l'air résistants, eux. Bio armure, putain, vous êtes déjà du bio en ce temps-là, vous imaginez. Putain, c'était drôle. Alors, destruction et... Vous allez voir, ma Taopo, c'est pas très très long. Hein. Putain, il a une main, putain. Regardez le bras de Pierce, quoi. On a une momie, sérieux. Putain, la couleur, rien que la couleur, ça m'arrive dans le mec. Ouais, en fait, là, j'ai un petit peu au pif, je vous l'avoue. Hein. Et je le dis souvent, ça. C'est parce que j'ai tout le temps au pif, en fait. Je suis mon instinct. Alors là, c'est tout con. Dès qu'on dépasse un peu, avec le, voilà, avec la glace, ça part direct. Ah. Alors là, il y a trois poteaux. Bah, faut tous les niquer, hein, apparemment. Sinon, ouais. Bah, ouais, si on les nique tous, je vois pas le problème. Hein. Ils servent à rien du tout. On pourrait croire comme ça qu'ils servent à quelque chose, mais non. C'est juste pour bloquer en fait. Attendez. Si. C'est le gauche, je savais pas le bouger. Bon. C'est reparti pour un tour. Je vais buter que ceux de droite. Enfin, buter. Casser. Désolé, hein. Ces deux là. Putain, je vais pas réfléchir assez avant de faire. Et voilà, j'ai perdu une minute pour ça. Voilà. J'ai des progrès à faire encore. Hein. Et voilà. Donc on n'a plus qu'à monter par là, hein. Tranquille. Tac.
Voilà. Ensuite on bouge l'autre, c'est bon. Énigme assez sympa, hein, je trouve. Juste en utilisant des troncs et de la glace, quoi. Mais ça c'est hyper classique, on en voit dans plein de RPG, des énigmes avec de la glace, avec des trucs fabuleux. Bah, même dans Zelda on en a vu alors. C'est pas un RPG, mais... Il y en a une d'énigmes comme ça dans Tales of Eternia. Ouh putain, j'ai du mal sérieux. Oui je raconte ma vie. Bizarre ça. Non rien, bon. Juste pour le fun en fait. Ah oui, bon là vous voyez, avec le reflet ça fait un truc, ça c'est marrant. Oh putain. Bande de salauds. Ah, il est pas mal, je sais pas pourquoi il a jamais de MP. Pourtant je l'ai pas utilisé pour soigner ni rien. Peut-être que cette synergie coûte cher et qu'il n'y a pas beaucoup de MP par rapport aux autres. Voilà. Bon, je peux faire commencer. Et ouais, c'est assez marrant ça. Et hop, on prend l'échelle. Un bon mur de glace là. Et on se retrouve. Alors, pourquoi je m'emmerde ? Voilà, devant un truc bizarre là. Ça ressemble à rien d'ailleurs. Bon, c'est une broche, ok. Donc c'est un objet clé, hein, pas un équipement, quand vous avez remarqué. Qui sert, bah, vous allez voir. Voilà. Donne exposé, c'est équipé. On va le donner à... Prochain. Voilà, c'est une synergie de bourrin. Voilà. Ah bah ça servait à ça. Donc on va tourner par là. Donc on a explosé, donc vous avez compris qu'on peut exploser le rocher qui tient le mât du navire. À comment s'appelle? À la fra, voilà. Ah, je me rappelle de ça. J'ai ma mémoire qui évolue, putain. J'aurais peut-être dû faire fuir parce que là j'ai la nette impression que je vais me retaper tout le chemin du retour là. Ouais. Voilà. Mais bon, si je loupe des trucs après. Parce que je crois que j'avais pas pris toutes les entrées là, la dernière fois. Mais non, parce qu'il y a un truc de glace où j'étais tombé, donc je peux pas revenir. Attendez, je suis pas sûr, mais je crois que je suis bloqué à un endroit là. Si je remonte, attendez, on va voir ça. Je suis pas sûr. Hein. Ah bah non, ça je l'avais pas fait. Voilà, donc c'est fait. Je sais pas si je vais à gauche, en haut, en bas. Allez à gauche. Pour le fun. Enfoncer. Merde, les ennemis. Putain, ils me saoulent. Ça mange pas ça. Et ça. Je suis allé à gauche, en bas, là. Alors je sais pas comment qu'on fait. Bah si, je suis con, c'est tout ça. Merde, je fais n'importe quoi. Ça c'est nul, c'est genre grêle moncière et tout, ça fait grêle en fait. Ça se fait sort grêle.
Ok, ça, ça servait à rien. Non, à rien. C'était juste pour quelques objets, bon, voilà. Et comme je le dis d'habitude, hein. Comme je dis d'habitude, comme ça vous verrez si c'est intéressant ou pas d'y aller. Parce que bon, le but des vidéos c'est aussi de vous montrer un max de trucs. Soit parce que vous êtes en train de faire le jeu et comme ça vous saurez. Si vous n'êtes pas en train de faire le jeu, ça peut peut-être chier de regarder ça, mais bon. Faut penser aux autres. Voilà. Donc ben retour, on retourne une fois de plus en arrière. Okay. Résurrection, ça m'éclate le symbole, parce qu'on dirait quelqu'un avec un biberon. Vous trouvez pas? En haut on dirait un biberon, enfin bon, c'est mon imagination, je cherchais pas à comprendre. Non, ça je pense pas. Je vais d'abord aller en bas, parce que là je laisse à me faire tomber. Je sais pas ce qu'il y a en bas. Ah mais je suis con, c'est là. C'est là d'où je viens. Bon bah c'était bon alors. Je vais tout casser. Les ennemis m'emmerdent. Putain, bon. Je les avais attaqués, ils seraient déjà morts. Eh bien ils vont comprendre. Ils auraient pas dû m'emmerder. Voilà, poulet, choucroute, et voilà. Alors, donc ouais, le seul endroit où je suis pas allé, c'est ici. Époque. Genre, bien sûr. Alors, oh putain de bordel. Ça va être chaud. Je crois que j'ai trouvé. Ah non, je crois que je me suis planté en fait. Hein. En beauté, ouais. Alors. Ça a pas l'air si dur que ça comme ça. Hein. Je vois ce qu'il faut faire, ouais. Faut atteindre le truc. Ça là, mais de l'autre côté en fait. Je vais tenter. Bon là au moins il n'y a pas de monstre, c'est déjà ça. Donc ça c'est ça, c'est sûr. Ça c'est bon. Ah voilà. Donc ça voilà, c'est ce que j'ai dit, il fallait faire ça. Ensuite ça, je suppose. Non, j'ai fait de la merde là, je crois. Oh, j'y étais presque. Merde. Mais non, c'est pas ça. Putain, en plus il me suit là, il me nargue. Salopard. Ah. Non, là je crois que je me suis planté encore. Attendez, mais le truc, ça, je ferais mieux de réfléchir calmement. Chercher avec moi, ça vous fait chier. Ouais. Bon, donc ça c'est sûr. Déjà c'est ça. Putain, c'était bon tout à l'heure, mais j'ai fait de la merde après. J'aurais dû redescendre, je suis con. Ouais, il faut que je. Ouais. Il faut que j'atteigne le haut de ça là. Donc attendez. Genre en bas là. C'est un chenu là, ce genre de truc. Moi. Putain de. Je l'aurai, hein, vous inquiétez pas. Comme dans la pub de la caisse d'épargne là. Non, c'est la maf, je sais pas. Putain. Ah, j'ai compris. Faut faire tomber là en fait. Enfin, ça c'est simple de. C'est simple à dire, mais comment faire hein.
Comment on peut tomber là? Putain. Putain, on peut pas. C'est quoi ce... C'est un truc de taré. Bon, de toute façon, ça c'est sûr, c'est ça au début. Ouais, ça bon, je suis obligé. Tac. Tac. Il faut que je tombe dans le truc juste en bas là, à droite. Comment on fait, putain, c'est pas vrai. Il y a moyen là, c'est pas possible. À tous les coups, c'est pas du tout ce que je pense en fait. Ouais. Putain, ça commence à me chauffer. Putain de merde. Putain, mais j'y crois pas là. Non, putain, je suis en train de niquer la vidéo là. Celui à gauche là. Oh oh. Yes. Putain. Je vais finalement trouver. Désolé pour cette perte de temps. Désolé. Voilà. Enculé! Putain. Je vais lui défoncer la gueule là. Je vais te niquer toi. Mais putain de salopard. Petit enfoiré de merde. Oula. Le putain le bâtard. Là, il m'a chauffé, là. Oh, putain. Il va se prendre une dérouillée dans la gueule, lui. Il va rien comprendre. Bon, putain, maintenant, faut que je retrouve le chemin. Putain, je m'en rappelle pas, putain. Salaud. Je te jure, si je te rattrape. Attends, c'était pas ça, là? Ouais, c'était ça. Tiens, mange, tiens, t'as mal, hein, tu souffres. C'est ça, viens. Putain, faut le buter, lui. Voilà. Ouf. Vas-y, mange. Fais pas. Défonce-le, vas-y. Tiens, putain, là, tu gèles, là. Je les couilles. Vas-y. Voilà, bon. Désolé. Putain, si j'avais pas mis tant de temps, j'aurais pu finir le truc, là. Parce que là, je suis pas très loin de la fin. Fuir. Non, il n'y a plus que le côté gauche et le haut à faire. Le côté gauche, c'est très rapide. Donc je vais tenter... Non, j'ai plus le temps. Je tente quand même. Non, c'est pas enfoncé. Voilà. Après, en haut, il n'y a rien. Il y a juste le trident. Bah, vous l'avez vu, ça. Juste un morceau du trident. Ça, on verra. Bon, en fait, je vous laisse là, on terminera à la fin. Je vous dis là en même pas 5 minutes, même pas, j'ai fini le truc. La tour. Bon, allez, salut. Bon, j'ai dit Mister Freeze.